Et on n'a pas de choix. Soit la prison, la privation de liberté totale, ou être tué en prison, violé en prison, en tant que femme aussi, c'est pas facile. Et en tant qu'une personne trans, encore c'est pire. C'est une qualité particulière, une caractéristique particulière des migrations thaïlandaises, c'est qu'elles sont finalement elles sont relativement peu nombreuses et on a peu de départs sans retour. Pour l'asile politique, seulement 6 personnes. 6 personnes. C'est très 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 peu. Mm. Et dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Japon, il y a à peu près 22 réfugiés politiques thaïlandais. La raison pour laquelle je devrais partir de Thaïlande, c'est parce que je militais à la fac, à l'université. Et quand j'étais à l'université, je militais pour la liberté d'expression, pas vraiment. En particulier contre le crime de l'ex-majesté. Une des campagnes vraiment marquantes pour les Thaïlandais, c'est quand tu as fait des fausses affiches. Pour les uniformes, Am a fait une campagne dans laquelle elle a montré des gens en uniforme en train de baisser, dans différents endroits de la fac. Donc Jaran, on l'appelle Atian Jaran, en professeur Jaran, même si en réalité il n'est pas professeur, mais c'est parce que il a été donc militant depuis qu'il est étudiant. Pour le progrès social, donc dans les années 70, il y avait ces idées de gauche quand même qui ont été largement diffusées en Thaïlande, mais c'était subversif, ça a été criminalisé également. J'étais peut-être 8 ans en 12 ans. 8 ans, c'était 8 ans peut-être la peine. Et alors je suis échappé. Parfois, ils nous disent que oui, on est vraiment exclu, on est vraiment, on peut dire, déchiré ou tranché, on n'est plus dans l'espace originaire de la Thaï et tout. C'est-à-dire que vous êtes moins Thaï que les personnes qui habitent ou qui sont physiquement en Thaïlande.